N'a salio et n'a dit merci déjà le fait que vous prêtez écoute et vous regardez nous dans le cadre numéro spécial l'interview de Jameson Bernabé. Et n'a pas rappelé que numéro ça est disponible sous Haïti Trésor, petit rendez-vous, matin débat officiel, c'est plateforme soit qui permet tout capable de regarder nous et à écouter nous pour connaître qui ça qui a passé, qui est artiste. Jodi a nous dans presse café dans le cadre d'une invitation la presse que Tamara Suffré fait pour lui présenter nouveau vidéo clip qui titré Qui t'aime Dieu. Chérie, qui t'aime chanter pour vous. Justement, oui. Je nous t'ai annoncé nous avec la belle Tamara Suffré. C'est sûr que vous êtes content déjà parce que nous avons une séance question avec elle. Tamara, comment nous bien content avant dans le numéro spécial interview de Jameson Bernabé. Bonsoir Jameson et bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission. Ça, c'est un plaisir pour moi avec nous. Vraiment très content. Mais avant de montrer dans l'album, nous avons une petite question. Ça te mettez vous. Zamim. Comme vous avez dit, Nathan, je suis très content aujourd'hui de présenter Impulsion puisque c'est l'album. Mais dis-nous à quel sentiment vous faites présentation ça aujourd'hui. Écoute, moi pas de possibilité pour me faire présentation le 13 septembre qui était jour où j'ai sorti l'album et avec un spectacle que j'ai fait dans le Villat. Mais là vraiment avec sortie officielle vidéo, j'ai eu une chance de présenter l'album. Je suis très content. Au moins tout le monde a fait connaissance avec tout ça gain dans l'album, thème que me choisi débattre là-dedans, musique que moi-même gain chance écrire et péripéties que me passer là-dedans. Donc vraiment de prendre le soin pour m'expliquer mon que c'était pas facile, peut-être que il y a des détails que me babaille mais c'était pas facile. Mais là maintenant connaît que le perd du temps ou bien pas pas dire perd du temps mais ou by énergie ou by temps ou by des pleurs pour mon travail et que leur sortie ou satisfait, je suis vraiment content. Nous connaissons l'album qui a un lourd budget qui te permet de préparer. Je crois que, bien entendu, son budget qui est moyen et pour ça, un album demandé. Est-ce que déjà Tamara Suffré est rentré comme ça? Que li... Ni bonheur, je vais rentrer. Mais c'est intéressant, vous pensez qu'on va voter comme ça? Oh, bien sûr, parce que justement, nous avons des demandes sur l'étranger, des demandes sur Haïti aussi, et que nous avons des partenaires qui connaissent un nom pour parler ensemble avec eux, pour nous travailler ensemble avec eux. Je pense que c'est un petit temps qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop loin, j'espère. Nous n'avons pas gagné une voix féminine sur l'album. Non, si toutefois tu as gagné pour mettre une voix féminine sur l'album, ça, qui a ses tapis? Oh, je suis choisi, je prends René Désir, je prends Donazi Théodore, je prends Richel, Darlene, je prends Ben Monoui. Oui, et où habitué à collaborer avec BIC, Jean-Jean Roosevelt? Nous pas retrouver en fit, mais est-ce que yo participé au niveau texte, arrangement, à qui support que BIC Jean-Jean Roosevelt et monsieur ça ont participé sur l'album ça? Bon, m'gal ton bagaille minime que BIC fait sur l'album, sans me parler dans gros bagaille il fait déjà. Par exemple, m'songe les m'a fait vidéo, m'di BIC, m'besoin un micro pour me mettre bol en mer pour me faire vidéo. Il dit qui micro? Micro studio BIC, besoin une prête. Il dit t'es quoi gagne une la caille là? Et pas pour lier, mais monter vienne prendre là. Donc pour montrer aussi en façon que voilà, il pas obligé son musique mon a écrit ou bien c'est un texte etc. Mais il y a des séries de petits bagages qui fait qui montre que mon a vraiment qui très grandiose pour moi. Et BIC c'est un monde qui te gagne chance tande album moi en bon des avis. Après ça c'est un frère quoi. Ou satisfait de qui t'aime dire? Oui. Tout d'abord, Samuel se font critique sur vidéo, ça honnêtement, qu'est-ce qu'il a d'abord? Bah, veut dire devant nous. Non, on dit. Bon. Parce que, en fait, moi et Samuel, nous goûtons en pile, sincèrement. Parce que, monsieur, j'ai le premier essai que le fait. Dit, moi pas aimé ça, moi pas aimé ça, moi pas aimé ça, moi pas aimé ça. Il dit que le col est gare, on pas connaître. Donc, c'est notre façon de parler. Jusqu'à ce que nous chita, nous débattons pour nous dire, mais pour qui ça nous pas aimé ça et pour qui ça s'est sommeté. Donc, il me supposait convaincre, tout comme moi supposé, lui supposait convaincre, moi l'heure pour nous changer un bagage, pour nous mettre en autre bagage. Mais vous avez aimé l'expérience là? Oui, magnifique. Yon mettre mot pour toutes les amis qui regardent aujourd'hui et qui prochain événement que nous avons Tamara Suffré. Et moi, je voulais remercier vraiment tout le monde qui l'a regardé. Merci tout le monde qui remet. Merci tout le monde qui a suivi moi sur Facebook, Instagram, Twitter. Et faut me dire que l'album est disponible sur toutes les plateformes en ligne. L'album est disponible dans boutique Tizon, Diffet, tout. Et l'album est disponible à la Pléiade, ça c'est en Haïti. Et que sur YouTube, allez, qui t'aime dire, disponible à regarder. Tout le monde est clair. Tout le monde est porté.
Nous avec Timet, une voix magique que nous gagnons qui n'en rase ou qui s'y a. Bon, bagay trop bagay pour me dire sous Timet, puisque moi connais déjà, nous connais exactement on paquet de soit sous Timet. Même moi, allons-y, j'en rapide avec Timet, parce que moi, c'est ta mère, souffre question ça. Qui ça ta mère et vous? Bon, qui ça ta mère et moi? Son ami, son famille, et artiste moi, artiste préféré, et. C'est mon tout quoi. Attendez, bon, ça a déjà, ils font pile poésie pour le dire qui ça travaille pour lui. Mais honnêtement, bah nous appréciation parce que nous connaissons aussi un journaliste qui a gagné un niveau de réflexion, bah c'est tout le monde et admettre qui est intéressant. Dis-nous à quelle dimension ou retrouver Tamara Souffrin sur l'album Impulsion. Bon, en fait, c'est le deuxième album Tamara et l'album Impulsion. Premier album là est certes nous t'ai trouvé que au point de vue rythmique il était marqué local bien que Tamara tapé était chanté en pile musique traditionnelle solide même parce que deuxième album là et fait plus Haïti il fait plus nous-mêmes et on joue en pile musique qui parlait de réalité nous l'on prend par exemple gardons pays ou prend pays l'exil c'est là qui parlait de réalité nous. Et puis, aujourd'hui, on a Marathon qui parlait de l'amour dans la musique, ça, par exemple, dans, sur l'album, ça dit. Ou par exemple, qui était me dire qu'il parlait de l'amour, il y a Obsession sous lui, et qui parlait de l'amour. Mais en même temps, tout pendant la paix de l'amour, il parle en pile de pays, de réalité que celle que nous-mêmes avons vécu. Moi, que son album qui est très riche, et en mélodie, au point de vue texte. Et je pense que son album, au monde qui est mélomane, je suppose qu'il y a là, Kali. Ou il y a une musique que vous préférez sur l'album, ça? Oui, qui était me dire. Voilà, un pile réseau pour Tibet, c'est musique ça arrive sous l'album Tamara Souffrin. Mais après ça, et moi ou là, j'ai aidé Tamara Souffrin en pile. Est-ce que vous êtes un éventuel manager? Dis-nous à qui titre, même moi, peux participer dans toute activité que Tamara fait parce que nous croisons en pile et nous sommes. Grand premier album, non, je dis à moi tout dans la conférence de presse, mais dis-nous à qui titre que Wabba et Tamara Bourad ça? Bon, j'aime ce jour-là, et Tamara a un staff ensemble avec elle, et je fais partie de staff-là, et je crois que son équipe qui travaille, et juste parce que nous remettons ça à Tamara faire, nous believe là-dedans, et nous croyons que nous sommes aller et plus loin que côté ni là, donc nous avons travaillé même. Et si Gomba est que vous plus admirer dans Tamara comme chanteur, c'est à qui ça? Capacité vocale. Et second bagage, vous pensez que vous avez mérité d'améliorer cette étape? Bon, ça, vous avez supposé améliorer, c'est par exemple, des fois, il est très timide sur scène. Et je pense que ça, et nous tenons compte de ça. Non. Et pour en fait, sortir l'album, non, okay? Et, le Vilat. Et je crois que la travail sur en pile, et c'est sûr que nous avons l'autre Tamara et dans le cabinet. Il y a une dernière question qui. Avenir ouais musique alternative là en Haïti. Mon cher, de nos jours et si nous prenons comparativement à 10 ans de cela, parce qu'il y a un pile chemin qui fait. De nos jours, vous parlez de un pile artiste qui n'a trempe ça, qui n'a niveau ça et qui a percé tout. Donc moi crois que et mon yo ouais musique alternative dans l'autre genre et au point de vue international tout. Donc moi crois que il a fait il a parlé de l'avant et je suis sûr que et on moun qui pas consommer musique ça et m'inviter la faire parce que n'a besoin en pile là. Yo maître mot. Mon cher. Vous avez voyez. Et on font gens pour nous capable d'y assez. Ça selon qu'a dit. On dit assez. Merci, c'était avec nous Timet dans le cadre de l'interview de Jameson Bernabé. J'espère que vous allez vraiment amuser. Pas oublier Jean Tedia. Numéro ça disponible sous Matin Débat Officiel, Haïti Trésor et puis Rensa. Petit rendez-vous. Et pas oublier, numéro ça était disponible grâce avec support Ricardo, Ladaï comme éditeur et tout l'autre monde qui de loin de près a supporté nous pour numéro ça. Merci Timet. Yo l'autre rendez-vous, c'est pour bientôt.